Aujourd'hui, Toulouse est une énorme équipe avec des super bons joueurs, avec énormément d'internationaux. Donc nous, dans tous les cas, en jouant à Toulouse, on a toujours peur. Hein, voilà. Donc, ça c'est certain. Je sais qu'eux aussi vont bien préparer ce match-là parce qu'ils vont accueillir le champion d'Europe en titre et l'équipe qui les a battus en demi-finale du championnat. Donc, ça va être forcément une grosse équipe. J'espère qu'on sera plus performant que l'an dernier. On a fait énormément de fautes. Dans les 20 premières minutes, on avait pris un essai. Donc voilà, il n'y avait pas eu de match. Ça a été un peu trop facile pour eux. Ça va être très très dur, même, tu vois, pas de gagner, mais même de sortir avec un point de bonus, quoi. Là, j'ai vu le match contre Saracens. C'est vrai qu'ils sont à un autre niveau des autres. En Europe, on peut dire en Europe en ce moment, et c'est la meilleure équipe. Les matchs qu'ils ont faits à Saracens, c'est impressionnant. Et les matchs qu'ils ont faits à la maison cette année, la façon que Toulouse joue maintenant, c'est impressionnant. Ils sont vraiment solides, mais ça, on le sait. Mais c'est un match de rugby. Les choses qui sont passées les week-ends derniers, ils sont déjà passées. Nous, comme je dis, les seules choses qu'on peut contrôler, c'est nous, pendant 80 minutes, samedi prochain. Je ne sais pas si on le gagnera actuellement. C'est vrai qu'on ne peut pas prétendre gagner à Toulouse. C'est impossible. Surtout, vu comment ils jouent actuellement, ils sont un peu sur une autre planète. Je connais bien ce club. Je sais que quand ils sont dans ces phases-là, ils sont très très forts. Ils ont un jeu qui est vraiment très bon offensivement. Ils ont une très bonne défense qui, face aux Saracens, n'a pas lâché parce que c'est vraiment une très bonne équipe aussi en face. Donc nous, on veut surtout arriver à se faire un peu plus plaisir, arriver à se retrouver sur le terrain. Et puis, peu importe le score, arriver à pouvoir se dire qu'on a fait un beau match. Voilà.